Au nom de Jésus, allez, lâche-le, lâche son âme, lâche-le, au nom de Jésus, feu, au nom de Jésus, feu, lâche son âme, lâche-le, oui, lâche-le, libérez maintenant même, au nom de Jésus, lâche son âme, allez, lâche-le, feu, le feu consume vos œuvres dans ce corps, le feu consume vos œuvres. Oui, le feu consume vos œuvres dans ce corps. Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Le feu de Dieu. Oui, le feu. Libérez son pied. Allez, libérez son pied. Au nom de Jésus, vous libérez son pied. Vous libérez son pied. Qui es-tu, toi qui habites ce corps? Qui es-tu, toi qui habites ce corps? Donne-moi ton nom. Qui es-tu? Lâche son pied. Voilà, lâche son pied. Allez, lâche son pied. Tu vas lâcher son pied. Oui, tu vas lâcher son pied. Allez, lâche. Lâche son pied. Au nom de Jésus. Le feu, lâche son pied, vous libérez son pied, oui, lâchez-le, au nom de Jésus, je sens qu'il doit rester dans le football, comprenez, il doit rester dans le football, il y a une sorcellerie qui l'a fermé, lâche-le, qui es-tu? Quel est ton nom, toi? Toi qui l'empêches d'avancer. Comment tu es arrivé dans sa vie? Comment tu es arrivé dans sa vie? Et qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Tu l'as détruit. Tu es en train de détruire. Quel est ton nom? Ton nom. Donne-moi ton nom. Qu'est-ce qui t'a déjà détruit dans sa vie? Qu'est-ce qui t'a déjà détruit? Tes études. Et tu as détruit quoi encore? Tu as détruit quoi? Tu veux le tuer. Et pourquoi? Il est têtu, il veut forcément réussir. Il est têtu, il veut réussir. Forcé. Je fais tout. Oui. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Quel est ton nom? Parce qu'il est garçon. Mm-hmm. Il n'est pas encore garçon. Il n'est pas encore garçon. C'est pour ça que tu veux le détruire. Ses yeux réussissent. Oui. Son papa était fort. Oui. Son papa voulait dominer tout le canton. Kuduko. Oui. Lui aussi, il veut dominer le canton. Oui. Il veut construire son village. Oui. Alors qu'il sait qu'on a tué son papa à cause de ça. Oui. Mais lui aussi, il veut le faire. Oui. Comme j'ai dit, papa va aller à l'école. C'est dans football que je vais réussir. Je vais le tuer. Mais quel est ton nom? Je vais le tuer. Zinke Gragra. Son cousin m'a adoré. Oui. Et il était petit, on l'a forcé d'aller dans la forêt. Oui. Il ne voulait pas. Oui. Lui là. Oui. Lui que tu vois, tu le connais pas même. Tu sais qui il est. Il est parti dans la forêt, ils l'ont forcé. Oui. Le petit là, oui. Il y a longtemps je le cherche. Oui. Et depuis petit, je le cherche. Oui. Il est parti dans la forêt. Oui. Demande-lui, il sait. Oui. Il a mangé la viande qu'ils ont sacrifiée. Oui. Et depuis ce jour-là, oui. J'ai un contact en lui. D'accord. Quand tu dois partir, oui. Il sait. Oui. Si je ne bloque pas ses voyages, oui. Je le rends malade. Oui. Actuellement là. Il y a quelque chose, il doit partir encore. Oui. Il est têtu tellement. Oui. Les gens aussi sont tellement prêts pour lui. Oui. Il doit partir. Oui. J'ai mis une maladie dans son pied. Il doit partir où? L'année passée. Cette année encore, oui. Actuellement, il prépare quelque chose dans le pied là. Oui. Je suis dessus. Oui. Il ne va pas partir. Oui. Je ne sais pas, mais c'est d'ailleurs là. C'est que tu cherches toi, d'ailleurs là. Ta famille t'a raté. C'est si la douleur qui est venue. C'est elle qui a fait l'enfant là, il est venu ici. Oui.
depuis là, il parle de toi. Mm-hmm. Je lui fais un songe pour dire que tu n'es pas un homme de Dieu. Oui. Mais l'enfant, il a quand même, il est quand même venu. Oui, maintenant, tu il sais. A l'âme échappée. Lâche sa vie. Oh, il lâche a l'âme échappée. Lâche sur toi. Il a l'âme échappée. Quitte sa vie. Au nom de Jésus, je maudis tes œuvres. Lâche sa destinée et le point de contact dans sa vie. Tout ce qu'il a mangé, qui croyait qu'il était maître de sa vie, lâche-le. Tu le libères. Voilà, pousse ton cri et va dans la mer. Tu vomis. Tu me rends tout ça au nom de Jésus. Tu me rends tout ça au nom de Jésus. Je brise ce point de contact dans son ventre. Tout ce qu'il a mangé, le fait que les esprits avaient contrôlé maître sur sa vie, est brisé. Au nom de Jésus. Allez! Sors! Libérez sa vie. Libérez sa vie. Il va rester dans le football, ce jeune homme. Amen. Il restera dans le football. Amen. Allez, quitte son ventre, allez. Quitte son ventre, allez. Libère-le. Ouais, libère. Au nom de Jésus. Libère. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Libère. Je libère ton ventre. Voilà, maintenant même. Le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Voici ta délivrance maintenant. Dieu libère ton ventre. Il libère ta vie. Sors, allez! Libère ton ventre. Dieu te libère. Jésus te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment il s'appelle? Emmanuel. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il avait un esprit en lui qui l'empêchait d'avancer de reçu. Toutefois qu'il est en contact avec la reçu plutôt, ça se brisait. Il fallait que l'esprit quitte sa vie. Et il y a des personnes quoi, qui marchent avec les démons. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que tu as vu pendant la prière? Qu'est-ce qui est sorti de toi? Donc, tu te retrouves dans une forêt? C'est la chute. Je me souviens que nous sommes dans une forêt à l'autre point. Je sais que quand j'étais petit, je sais pas faire. C'est une forêt différente. C'est une forêt. Il y en a compris, tu t'es retrouvé là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Quand je t'ai couché. Oui, tu es couché, oui. C'est là, j'ai senti qu'il y avait des vomis là-bas. Tu as vomi là-bas dans la forêt. Et puis qu'est-ce que a sorti? C'est la viande qui parle. Tu as senti sorti. C'est le sang qui est vu. Sorti. On acclame le Seigneur. Aïe! La gamme, il y a la gamme pour. Aïe! La gamme, il y a la gamme pour.